Ce rassemblement, il est surtout contre la répression syndicale. Bien évidemment qu'à travers ce rassemblement, on ne va pas faire réembaucher Nicolas qui a été licencié. Mais c'est surtout pour prévenir les patrons, pour leur montrer, c'est pour leur lancer un signal fort, qu'on ne laissera plus rien passer sur la répression syndicale. On voit aussi que ça s'intensifie avec l'arrivée des JO, parce qu'il va manquer des effectifs partout. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux camarades des hôtels, et en particulier les femmes de chambre, qui vont voir leur travail encore s'intensifier pendant les JO et qui vont travailler dans des conditions exécrables. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et ce que veut le gouvernement aujourd'hui et le patronat, c'est qu'on file tout droit et qu'on soit asservi aux Jeux Olympiques et uniquement aux Jeux Olympiques. Une tradition à Roissy. Ah ouais. J'ai le vertige. Transdev licencie un salarié qui est détaché à 100% pour effectuer ses responsabilités pour la CGT de secrétaire général de l'Union locale.